Bonjour et bienvenue sur Cuisine Ébène. On va vous préparer aujourd'hui des pastels à la viande hachée. On a besoin de la levure boulangère, de la farine, du sel, du poivre, du paprika, de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, du concentré de tomate, du lait, de la viande hachée, des oignons nouveaux, du piment, de l'ail et un œuf. Alors, on va commencer par la pâte. On va rajouter la farine, un petit puits au milieu, la levure. C'est de la levure boulangère et pas de la levure chimique. Une pincée de sel, 3 cuillères à soupe d'huile de tournesol, le lait et un œuf. Œuf entier. Et on va venir pétrir à la main pour former une pâte. Alors, au début, c'est normal que la pâte elle soit élastique. Vous pouvez rajouter de la farine, ce que je vais faire. Tout en mélangeant. Et cette pâte, on va la laisser reposer une heure. Au niveau de la texture, il faudrait que j'ai une boule. Donc, comme ceci, voilà, je vais former ma boule et ensuite on mettra un torchon par-dessus. Là, on a notre boule, je vais venir mettre le torchon par-dessus et on va laisser reposer une heure. Alors, on va commencer par chauffer l'huile de friture. Donc, on met la quantité au bord. On va chauffer à feu doux pour l'instant. Ensuite, on va passer à la viande. On va mettre de l'huile d'olive. On va venir mettre notre viande hachée. À feu doux. Le paprika, du poivre, du sel. On va venir prendre l'oignon nouveau, comme ceci. On va couper l'extrémité d'ici en deux. Et on va venir émincer pour pouvoir mettre à la préparation de la viande. Voilà. Ensuite, on va mettre le tout dedans. On va mélanger. On va rajouter de l'ail haché. On va rajouter à la préparation, on va prendre un petit morceau de piment, on va émincer finement, on rajoute, on va rajouter le concentré de tomate, on va venir mélanger tout ça. Voilà, c'est à feu doux, donc puisque les légumes, il faut vraiment qu'ils s'imprègnent avec la viande. Pour les pastels, vous pouvez faire aussi avec du thon ou de la viande hachée, selon vos goûts. On vérifie si l'huile elle chauffe. Bien goûter l'assaisonnement. Un peu de sel. On va mettre de côté. Donc ça cuit environ 10 à 12 minutes. Ensuite, on va passer à la pâte qu'on a mis reposée. On va venir prendre notre pâte. On va fariner le plan travail. Comme ceci. On va prendre la moitié de la pâte.
Alors, faut pas hésiter à mettre de la farine, sinon la pâte, elle va coller. Je vais venir prendre mon rouleau. On va étaler la pâte. Voilà, on n'est pas, on n'étale pas trop, sinon après la pâte elle sera trop fine. Voilà, comme ceci. Alors, après avoir étalé la pâte, on va faire des disques à l'emporte-pièce. Donc, comme ceci. Voilà, qui va nous permettre de mettre notre farce de viande hachée dedans. Voilà. Je vais prendre un disque, une petite pression comme ceci. Je vais venir prendre cuillère à café, c'est mieux pour mieux doser. Comme ceci. Voilà. Ensuite, vous allez venir rabattre la pâte comme ceci. Vous faites des petites pressions avec le doigt. Vous allez venir prendre une fourchette. Et vous appuyez pour coller en fait les deux faces. Voilà, faut vraiment que ça colle bien, sinon à la friture, quand vous allez mettre dans la friture, ça risque de s'ouvrir. Donc faut pas en mettre trop. Ensuite, on va venir prendre l'écumoire. On va faire un par un. On va venir plonger tout doucement. Nos pastels. Voilà. Comme ceci. On va bien laisser colorer. Voilà. Quand vous avez vu, ça gonfle. On va venir prendre du sopalin pour absorber l'huile. Voilà. Voilà, comme ceci. Une couleur parfaite, comme ça. On retourne. Et on attend quelques minutes. Environ 3-4 minutes de cuisson selon la température de votre huile. Je vais sortir mes pastels. Et ensuite, on passera au dressage. Alors. Alors, pour rappel, j'ai laissé cuire mes pastels environ 6 minutes de chaque face avec une coloration à peu près brun. Pas trop de coloration, sinon votre pâte elle sera trop dure et sera imbibée d'huile. Et voici les pastels à la viande hachée. Merci d'avoir partagé ce moment ensemble. J'espère que vous apprécierez ce plat entre amis ou en famille. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Chef Siana. À très bientôt pour une nouvelle recette. Cuisine est belle! Cuisine est belle, le partage des saveurs.